Bon matin tout le monde, on est mercredi le 22 du 2 2017 et il est 11h07 et je suis en train de manger, alors j'ai mangé une banane et des fruits et je bois du café et là je suis en train de exporter mon vlog de samedi. Samedi, dimanche, je les ai mis ensemble. Fait que là, j'ai fait déjeuner Marie. Puis là, ben, je suis... cet après-midi, je vais aller chercher mon nouveau set de cuisine. Parce que je me suis acheté un set de cuisine. Mon oncle vendait un set de cuisine. Fait que je me suis acheté un set de cuisine. Là, j'ai un voleur de café. Puis ça. Fait que là, j'écoute de la musique. Puis, ouais, j'ai pris une grande décision. J'ai décidé d'arrêter de tirer du lait. Même si ça me brisait le cœur d'arrêter. Mais, ça a l'air con ce que je veux dire, j'adore tirer du lait, j'adore donner du lait, mais par contre, je commençais à être écœurée. Et puis c'est drôle parce que comme ma production de lait avait pogné un pic du tonnerre, je décide d'arrêter. Fait qu'à date, là, je tire juste une fois du lait le matin, et je tire pas de la journée. À date, ça va bien, j'ai pas eu de boss, j'ai pas eu rien d'autre. Excusez, je regardais ce que faisait Marie-Claire. Je prends plus de pilules d'allaitement. Je les ai mis de côté au cas si un jour j'en ai besoin. J'ai décidé ça parce que je commençais à tanner. Physiquement, c'était rendu un petit peu difficile. Là. Tu te lèves la nuit, tu tires le jour. Là, je travaillais, mais je tirais pas de lait parce que ça me tentait pas. Je me disais, bon, je veux pas encore imposer ça à mon patron parce que moi, je décide de continuer. Allô? C'est parce que là, c'est à moi. Ça va, je me fais voler mes fruits aussi. Fait que c'est ça. Fait que là, demain, retour au travail. Marie-Flore, elle a se fait garder chez mes parents. Bonjour. Hello. Hello. Ça va ça? Bonjour, mignon. Bon matin. Bon matin. Coucou. Bonjour ma face tout sale. Marie-Flore, elle vient de manger des céréales et des fruits. Parce qu'elle mange des fruits maintenant. Puis ben, alors c'était ma grande décision de la semaine. Ça a pris du temps. Je pense, je vous dirais que ça fait depuis, je vous jure, là, ça fait depuis cet été que mes médecins me disent qu'il faudrait que tu arrêtes, t'es fatiguée, t'es épuisée, puis tout ça, puis je voulais pas. Quoi? Tu veux-tu passer? T'es-tu en train de faire la split, là? Quoi? Que t'as fait? Fait que c'est ça. Fait que là, j'écoute la musique, je déjeune. Mon papa va venir tantôt, après dîner, pour mon nouveau set de cuisine. Je peux vous le montrer, mais je sais pas si vous allez bien voir. Parce que c'est une photo, hein, c'est pas en vrai. Voilà, je vais vous montrer ça. Je l'ai envoyé à ma belle-fille tantôt, fait que... Alors, je sais pas si vous allez bien voir, là. Ça ressemble à ça. Fait que j'ai vraiment hâte. Marie-Flore est en train de niaiser sur sa chaise haute. Je vais me tasser. Comme ça. Fait
Fait que c'est ça. Aujourd'hui, il fait super beau. Demain, retour au travail. Ma maman garde Marie-Fleur chez eux. Fait qu'on va être en congé! Congé de Marie! Un congé de toi! Pour quelques jours, mais en fait pour deux jours, peut-être trois jours. Et puis Marie-Fleur va revenir à la maison après. Fait que j'ai acheté à ma mère une chaise haute pour Marie-Fleur quand elle va aller. Puis là, ben, je vais préparer tantôt un sac avec des couches, des lingettes, tout ça qui va rester là-bas, des jouets qui vont rester là-bas. Puis j'aurai juste à traîner sa nourriture, puis ses vitamines, ces choses-là, ses vêtements. Parce que là, ça fait beaucoup de bagages à traîner, honnêtement. Et c'est ça. Là, je finis de vous exporter mon vidéo. Je voudrais en mettre un autre en ligne. Puis je suis contente qu'on ait rendu 75. Mais en même temps, j'étais full contente d'être 75. Mais c'était à un moment donné quand j'ai... Tu sais, on peut voir nos vidéos. Puis là, j'avais 2 pouces en bas. Là, j'étais triste hier. Mais, c'est grave. Pas grave, là. Vous avez le droit de pas aimer ça. Mais, comme je me suis dit, cette année, je me suis dit que j'allais me faire plaisir et de faire des vidéos que moi, ça me tentait. Puis celui-là, ça me tentait. Fait que, là, je sais pas ce que je vais mettre après. Si je vais mettre mes coups de cœur maquillage. À petit prix ou un maquillage du jour, je sais pas. Puis là, madame, ben elle se promène. Ouais. J'ai des annonces aussi à mettre parce que je veux vendre mes chaises. Moi, j'avais des chaises comme ça. Fait que je vais les vendre parce que j'en aurais plus besoin. Puis la table. Qui est là. Je vais la mettre dans le sol du magasin temporairement parce que ça m'appartient pas. Ça appartient à mon conjoint, à mon mari. C'est à lui. Fait que c'est lui qui va prendre la décision à savoir ce qu'il va faire avec. Moi, j'aimerais ça qu'on la garde parce que si on déménage à un moment donné ou on fait un party, ben au moins on a déjà une table. Je la trouve belle quand même. Là. C'est juste que j'ai eu une opportunité. Parce qu'au début, je voulais m'acheter des chaises. Puis là, je me disais, bon, si je m'achète 4 chaises identiques ou 6 chaises identiques, ben, c'est le même prix que j'ai payé celle de cuisine, en fait. Fait que 600. Ça fait déjà 8 minutes que je vous parle. Fait que nous, on se reparle tantôt. À tantôt tout le monde. Bonsoir. Il est rendu 5 heures. Et on est enfin allé chercher la table, le monter, est installé. Il reste juste à la placer comme on veut. Et je vais peut-être même ajouter une décoration que j'avais dans mon salon, qui est la même teinte de brun. Ça va faire vraiment beau. Là, je m'en vais préparer des choses à Marie. Ben, j'ai commencé en fait, je vais vous montrer. Alors, il y a un bac qui est là, qui est des jouets. Là-dedans. Des couches, des lingettes, ça c'est pour son tapis. Il y a du lait de Créma parce qu'elle s'en va chez ma maman ce soir. Ben, ce soir, ouais. Fait que là, on s'en va voir Marie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'as-tu encore faim? Alors, ça ressemble à ça. Je vais me tasser. Alors, il y a une banquette dans le fond. Là. Il y a un petit coin, une chaise, un autre banquette et une autre chaise. Là. Et là, on va donner quelque chose d'autre à Marie. Parce que je pense qu'elle a encore faim. Parce qu'elle n'a pas beaucoup mangé aujourd'hui. Puis elle n'a pas vraiment bu non plus. Fait que... On va lui donner ceci. Une petite barre.
Je vais déposer. Alors, le set de cuisine, c'est un set bistrot, si on peut dire ça comme ça. Puis, il n'est pas neuf, mais je suis vraiment contente. Quoique j'aimais vraiment mon ancienne table quand même. Elle était beaucoup plus vieille, si on peut dire ça comme ça. Mais il a fallu que je m'achète des chaises pour aller avec ça. Pour aller avec, puis ça m'aurait revenu à la même chose que m'acheter une table avec ben, le set de cuisine, si on peut dire ça comme ça. Fait que je me suis acheté ça. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais mettre une décoration, je pense, au centre. Je vais vous la montrer. Puis il fait vraiment chaud à l'extérieur, il fait 6 degrés. Je suis juste sortie avec mon coton ouaté. J'avais mon manteau, mais je pense que je vais mettre ça au centre. Là. Désolée qu'il est sale en plus. Là. Mais je vais mettre ça au centre. Je pense que ça va faire vraiment joli avec la table. Et ça fond. Et je vais aller voir. Je vais aller voir mon balcon. Ouais. Puis merci beaucoup pour vos commentaires. Honnêtement, je sais pas si le son est meilleur avec cette caméra-là. Mais je vais vous déposer un petit micro. Très salut. Je sais pas si le son est meilleur avec celle-là. Je sais qu'avec le logiciel de montage que j'utilise, je peux mettre je mets le son beaucoup plus fort. Fait que c'est comme plus facile que vous m'attendiez. Puis, évidemment, j'ai gardé une petite chaise comme ça. Une petite chaise comme ça, là, une petite chaise bistrot, là, toute simple, là, en bois, que je peux glisser en dessous comme ça de ma maquilleuse, fait que ça fait plus de place dans la pièce, parce que j'avais une grosse chaise blanche. Puis là, on va regarder dehors, que ça a de l'air. Oh, ça a changé quand même beaucoup. Je sais pas si vous voyez, là, là-bas. Attendez, je vais vous mettre comme ça. Là-bas, ici, là. Là, on voit le ciment. Comme ça. Je sais pas si vous voyez, là, ça a vraiment fondu. Je suis vraiment contente. J'ai hâte que ça s'en aille. Et là, je commence à faire des recherches pour essayer de trouver quelque chose. Peut-être une maison à louer. Quelque chose. Je vais mettre là-dessus bientôt. Fait que là, je finis de ranger tout ça. Puis, on a sorti un autre jeu à Marie-Flan. Celle-ci. Des toutous comme ça, là. Fait que là, il va rester ça. Ça. Ça là-bas. Mais même ça là-bas, je pense qu'à un moment donné, je vais l'envoyer chez ma maman parce qu'elle en a un autre. Elle a celui-là, là, le petit lion. Puis elle a ici une grosse table de jeu comme ça, puis un cube. Que ça, je pense que je vais le dégonfler puis je vais le mettre dans son bac à porter. Fait qu'en fin de semaine, je veux faire un peu de ménage parce que j'ai du linge donné. Fait que là, j'ai mis des annonces sur Internet aussi pour vendre mes choses. Parce que c'est mes chaises et tout ça. Fait que je vais mettre ça sur le web. Ben, je les ai mis en fait. Fait que c'est ça. Et là, on va allumer les lumières. Fait que voilà. Nous, on se reparle tantôt. À tantôt tout le monde. Salut tout le monde. On est rendu 11h presque. 11h30. 11h.
Je suis allée partir Marie-Flore chez mes parents. Et je m'en allais me préparer à souper. Mais avant, je voulais vous montrer mes petits achats que j'ai fait chez Provigo. En fait, j'ai acheté des vêtements Joe Fresh et des souliers. À Marie-Flore, j'ai trouvé des petits souliers comme ça pour cet été. Des petits. Je vais vous montrer comment je pouvais le cadre. Des petits souliers comme ça. Dans les teintes de. Vraiment. Dans les teintes de rose. Ils sont comme ça. Eux autres, ils étaient 22$. C'est des tailles 4. Ça y fait pas présentement parce que c'est trop grand. Là. Marielle a des plus petits pieds que ça. Mais elle porte des 2 présentement. Fait que je me dis peut-être que cet été, ça va lui faire. Et je veux commencer à habituer Marie-Flore à porter des. Non, non. Rien. Hein? On t'a juste vu passer. Quoi? On t'a juste vu passer là. Là. Je voulais l'habituer à porter des souliers dans ses plans. Et j'aimerais bientôt. J'aimerais bientôt lui. Installer son nouveau banc d'auto, fait qu'évidemment, Marie-Flore, elle aura plus sa grosse doudou qui va dans son petit banc d'auto. Fait qu'il va falloir qu'elle mette des souliers pour quand... quand elle va aller dehors. Fait que j'ai acheté ceux-là, là. Des petits pantoufles comme ça. Blanc, mais je me suis rendu compte qu'il y a une petite tache dessus, il faut que je la nettoie. Ça, c'était au lieu de 14$, il est laissé à 3,97$. Fait que je vais vous montrer de plus près. Je les trouve vraiment cute. J'en avais acheté des petits roses comme ça, mais elle aime pas ça, les souliers, honnêtement. Là, Marie-Flore, elle aime vraiment pas ça. Je vais passer mon cadre. C'est bon. J'ai trouvé aussi en liquidation un petit veston comme ça. Il est dans la teinte rose. Et il y a des lumineux. Ça, c'est 12-18 mois. Puis c'était au lieu de 26, ça, c'était 11$. C'est juste un grand jacket. Encore là, c'est pour quand qu'on va aller en auto puis elle va avoir son nouveau banc d'auto. Avec sa tuque et ses petits gants. Je trouve que c'est quand même full chaud. Je sais pas si vous voyez, là, c'est vraiment un gros minou. Fait que je me dis que ça va être full cute avec ses petites pantoufles. Et pour moi, là, je me suis trouvé un chandail comme ça de Joe Fresh avec un capuchon. Un petit chandail juste croisé comme ça, là. Vraiment lousse, là, avec des manches full mou, là. Il est vraiment full mou. Puis ça, au lieu d'être 29$, il était 18$. Fait que j'étais vraiment contente. Fait que c'est ça. Fait que là, je m'en vais manger, peut-être. Peut-être pas. Parce que j'ai vraiment très très mal au cœur. Fait que je pense pas le manger. Mais je vais peut-être me faire un petit sandwich malgré tout. Mais moi je vais vous dire qu'on va se reparler demain. Pour un autre vlog, un petit bout de vlog. Là, parce que je pense que je vais filmer jeudi soir, vendredi soir. J'essaie de planifier un petit peu plus mon horaire pour les vlogs et tout ça. Et désolée si vous entendez du bruit à l'arrière, c'est que mon mari emballe de la viande sous vide. Ouais, c'est ça. J'aimerais ça faire comme genre le mercredi un vlog. Jeudi soir, puis vendredi soir, un vlog. Puis samedi, dimanche, un vlog. Tu sais, vous aurez quand même 3 vlogs dans la semaine. Puis des vidéos
en continu, là, comme mes coups de cœur, ces choses-là. Comme demain, je prévois mettre mes coups de cœur maquillage. Vous allez voir aussi ce vlog-là demain matin, je vais le mettre en ligne. Fait que c'est ça, abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-le en barre d'informations. N'oubliez pas qu'il y a une fac qui est ouverte. Si vous avez des questions, laissez-le en parenthèse. N'oubliez pas d'écrire que c'est pour la fac. Et nous, on se dit à demain. Bye bye tout le monde.